Bon, les gars, ce soir, on va dormir au Léon de Bruxelles. Moi, j'ai faim en tout cas. Et bah justement, on va aller manger dans le restaurant et après, on va s'infiltrer pour dormir dans le restaurant. Bon, pour l'instant, ça va, on a réussi à aller à table. Mais en même temps, c'est normal, tout le monde peut faire ça, même vous. Bon, les gars, à une bonne nuit dans ce restaurant. J'espère. Et les gars, dites-vous qu'on va mettre une tente dans le restaurant ce soir, ça va être une dinguerie. Ah, par contre, pour la ramener, ça va être chaud. Hein. T'inquiète, je vais faire diversion. On vient d'être servi, ça a l'air incroyable. Regardez-moi ça. J'ai pris un double. Beignet de calamar. Et évidemment, Léon de Bruxelles spécialisé dans le poisson. C'est incroyable. Vas-y, je goûte, vas-y. Tu sais quoi, je vais goûter quand même. C'est un beignet de calamar. Ah, c'est calamar. Mais t'es un ouf. Non, mais en vrai, c'est super bon. Non, je restais poisson normal ou calamar, mais vas-y, c'est jamais super de bon, regarde. On va goûter ça. Deux steaks, cornichons cheddar. Oh là là, il a lâché le pot, c'est bon, ça y est. Alors, c'est bon, c'est validé. Mec, c'est une dinguerie. Le pain, il est trop bon. Bon, bref, je me régale. Super. Et tu passes une dinguerie. Oh non! Bon, messieurs, vous venez dormir ici ou on doit partir? Oui, si c'est possible. Ok, bah bonne nuit. Bonne nuit blanche. Ok, dinguerie. Ok. Ok, bah merci. Bonne nuit. Merci. Et oui, vous avez compris. En fait, c'est Léon qui a accepté de nous faire venir ici pour dormir. C'était un truc qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. C'est un vrai rêve de gosse. Donc là, on va passer une nuit dans le restaurant. On va s'amuser. On a prévu plein de trucs. Comme par exemple, les gars, je vous le dis, j'ai toujours voulu tester, vous aussi, je pense. Retirer une nappe avec plein de trucs dessus. Oh, sans tout casser. Dinguerie, j'ai trop envie de faire ça. Bon, on va commencer très simple. On va s'amuser dans la salle des enfants. Ah, allez hop, à une seule main, je t'ai ken. J'aimerais, s'il vous plaît, un verre d'eau bien glacé, s'il vous plaît. Je t'ai pas raconté la dernière fois, il y a une seule. Ouais, chef. Merci. Attends, y'a que ça? Vous foutez de ma gueule ou quoi alors? Vous savez quoi, eh ben, je récupère mon argent. Les bolos ça. Elle est où ma paille? Les bolos là, elle est où ma paille? Attends, quel autre bolo? Pas de bolo, pas de taille. On dort dans un restaurant, déjà on a dormi dans un trampoline park. La nuit on en a profité pour jouer, s'amuser tranquillement, gratuitement. Waouh, mais mec, t'es trop à l'aise. Bah quoi? Bah... Non, je rigole. Ah putain, j'ai cru que t'allais vraiment le faire le coup. Et pourquoi ça crépite ça? Alors moi les gens qui... Un petit coca et pour la douze, ça fait... Voilà. Cette fois-ci avec un verre rempli à ras-bord. Tout ce qui va être cassé ou qu'on va utiliser, c'est les trucs que j'ai achetés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, il y a table 15, c'est où déjà? Hop, pas le temps, s'il y a un client. Hop, oula, il y a beaucoup de clients. Hop, un coca. Oh, c'est un coca. Hop, un coca. Hop là, moi je joue la sécurité car je suis peu confiant et je fais quand même tomber de l'eau. Putain, ça bouge. Attention, coca. Oh, mon gars, il a failli tomber. En plus, ça, c'est mon coca, bande de b***h. Les moules. Circuler. Oh, okay. Je suis traumatisé par les événements. Bon, les gars, il est temps. Il y a une table, des couverts, des assiettes, des verres remplis. Du coup, là, je vais tirer la nappe en essayant de garder tout intact. Ah, j'ai cru que t'allais faire un tête-à-tête. On n'a jamais essayé, même avec un seul bro ou quoi. Ça va être la première tentative, réussite ou pas. Tristan l'avait fait. Ah non, il avait fait de la merde en fait. Oh, c'est génial. Mec, coup sec. 3. Wouah. Absolument rien n'est tombé. Raphaël, le joueur forté. J'ai l'impression que les degrés. 5. 6, après, 4, c'est 4 après. 4. Bon, let's go. C'est le fourchet. Enfin, je trouve ça un peu relou qu'on casse rien. 3, 2, 1, vas-y. 3. Mec, t'as fait exprès, c'est pas possible. Oh là, tu as fait ça. Mais t'as fait pas en moi. Bon, les gars, il y a une chambre froide et Seiya et Raph, ils ont déjà été dedans, ils savent c'est quoi. Nous, avec Loïc, on n'a jamais essayé. Mais là, il fait vraiment moins 20 degrés. Oh les putains, ils m'ont enfermé. Bah ça va en vrai. Hein. Bon, j'espère que vous m'entendez, mais...
Mec, sors. On arrive pas à ouvrir. Ah ouais? Mec, j'ai tellement peur. T'as pas capté? Sors. Oh non, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mec, touche mon cœur. Mec, va dedans. Arrête, ça va, enfin c'est, ça sent le poisson quoi. Voilà pourquoi je mange pas de poisson. Mec, l'odeur c'est horrible. Raph et Seyar, ils sont en train de à moitié dormir. Nous on est des terres, on s'est dit on va faire une compétition du meilleur cocktail. Bien évidemment dans les commentaires, ça sera à vous de juger le style de comment on va manier ça. Avec le... Oh mais moi je sais pas faire ça. T'essaies de faire ça? Léon, je suis désolé. Les gars, ils nous ont invités pour venir ici. C'est trop des bons. C'est pas du tout une collab. Je le dis parce que vraiment, j'ai trop apprécié mon repas. Et ils sont trop sympas, les gars, pour nous laisser faire ça. Regardez. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love, friends, fill up the car to live best because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of. J'ai vu, t'as rajouté 1 litre de vodka dans mon cocktail, il va être dégueulasse. Normalement, c'est 3 centilitres. Là, non, il y a 6 ouais, centilitres. Ouais, s'il te plaît, tu me laisses travailler, s'il te plaît. Très honnêtement, j'adore. C'est tout, c'est mon goût. Pour moi, un peu trop sucré. 8 sur 10. Oh! Bravo. Bah en vrai, il est très bon, effectivement. Il est assez sucré. Il est dégoûté comme il est. Non, vraiment, okay. Il est très bon. Gorge de fou, frère. Je vais ouvrir des portes. C'est opaque. Hein. Ah, je ne crois pas à l'amour. Il est vraiment stressé. Oh! On l'a pas vu! Vous m'expliquez pourquoi il y a un arrière-goût de bière et de boisson qu'on achète à l'épicier à 23h un mardi? Faut pas être connaisseur pour se rendre compte à quel point c'est nul. J'aime bien, mais il y a un arrière-goût amer. Bravo à vous qui avez remporté cette compétition. Merci. Les gars, on va voir qui est le meilleur serveur d'entre nous. On va partir de tout là-bas et venir jusqu'ici. Avant, on va devoir se faire tourner sur nous-mêmes contre un balai. C'est trop facile. C'est facile de prendre un petit plateau et hop. C'est très ridicule de faire ça. 1, 4, soufflé. Tu prends ton temps là. Monsieur. 6. Oui, on a faim s'il vous plaît. Je me dépêche. Je suis en train de. 8. Je suis en train de placer le balai là. C'est bizarre ce qui se passe dans la cuisine quand même. Ouais. Hop là. Allez, je compte sur toi. Allez, vas-y, let's go, c'est parti. Faut que tu cours, faut que tu cours, mon gars. Tu gères. Je vais lancer. Hop là. Salut seulement, messieurs. Un peu de prestance, s'il vous plaît, monsieur. Un peu d'action. Évidemment. Et voilà pour vous. Mes chers messieurs. Merci. Oh là là. Mais j'avais tellement faim. Oh le. Ça commence maintenant. Je pense qu'il va bien courir. Bien faire des girouettes quand même. 5, compte pour moi s'il te plaît. 6, ouais. 15. Attention, vous avez déjà fait faire tout. Oh là là. Oh monsieur, là. Le serveur. On l'a vu là. Non mais monsieur, et c'est pour qui? Désolé frérot. Ah non, c'est pas pour moi. Non, c'est ma main. Vas-y. Les moules arrivent. Allez, on attend mec. Et de 1. Monsieur, vous pourrez commencer à se dépêcher, hein. 6. Parce que là, ça tourne en rond, le service. T'as compris? Eh, ça tourne pas rond dans ta tête ou quoi? 14, et attention les derniers. 15, c'est parti, vous pouvez reposer le balai. Attention de ne pas trébucher dessus. Hop là, à une main. Aïe. Oh là là. C'est ça, oui. Hop, et une de plus pour vous. Qualité supérieure. En fait, c'était super rapide, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait, mec. Bon serveur, là. 4. Allez, on tourne. Je parle pas de la vidéo, hein. Eh, ils sont partis les pêcher, les moules, ou quoi, là? C'est quoi, ce bordel? 14, encore une année. 15, c'est bon, allez, go. Chronomètre, go. Allez. Je suis contraint de vous dire que vous n'aurez pas vos moules. Attends, ma tête tourne de fou, mec. Attends, ça tourne de fou, vraiment, là. Bon, bah, les gars, voilà le score de chacun. On va monter la tente. Pardon.
Bon bah, on a fini l'attente. 4h55. Et on doit se lever à 7h. Bon les gars, franchement, vous en avez pensé quoi cette petite soirée là au resto là? Moi j'ai kiffé, expérience folle. Moi j'ai adoré. Ce que j'ai préféré mec, c'était vraiment tirer la nappe, c'était trop bien. J'ai archi grave kiffé les beignets calamar avec la sauce tartare, elle était masterclass. Mec, j'avoue qu'un petit, en vrai, oh, le une, moitié de burger de tout à l'heure. Ouais. Juste avant de dormir, petite moitié, tu vois. Allez, je dis à 5000 likes, on dort dans un cinéma. Voilà, c'est tout. Et les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne de Loïc, sa chaîne YouTube. C'est Yar. Sa chaîne YouTube. Raph. C'est la première fois que je suis fatigué. Non. Putain, il manque un petit oreiller quand même. Bonne nuit, à demain. J'adore cette série de vidéos et vous aussi, j'espère. J'espère qu'elle ira très loin et qu'un jour on ira dormir. À la Tour Eiffel. Ouais, dans la Tour Eiffel, ce serait fou. Bon allez, bisous les frérots, à demain. Bon, le réveil a été super dur. J'étais à deux doigts de repousser le réveil, mais c'était impossible. Merci à Léon de Bruxelles. Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré ce petit séjour. Qu'avez-vous pensé de cette unique heure de sommeil? Elle était très bonne, mais très courte. On n'a rien oublié? Si. Le pouce bleu. Bon les gars, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires la prochaine fois. On dort où? Non. Dans mon lit, ouais, la prochaine fois. Allez, bah non. Bisous. Bisous Léon.